Interview de Rolly, son premier album, son rapport avec ses fans, ses surprises de la Starac, la chanteuse se dévoile. Chevelure violette incandescente, sourire, bienveillance. Rolly est une jolie rencontre en cette fin de journée de novembre. Accompagnée de son petit chien, la chanteuse, auteure, compositrice nous retrouve avec plaisir. Dans un moment très cosy, pour en savoir plus sur sa personnalité qui rassemble de plus en plus de fans. Après le succès d'Où que tu sois et Fin d'amitié, Rolly explose avec Thérapie. Un titre sincère sur un amour se finissant, au son très 80s, à retrouver dans son album. Demain sera meilleur. Originaire de La Réunion, Rolly est inscrite au conservatoire de piano dès ses 5 ans et commence l'écriture à 7. Un jour, mes parents divorcent, mon père quitte la maison et me vient cette envie de m'exprimer. J'écris ainsi mon premier piano-voix qui parle de cette séparation, explique-t-elle. Un début qui résume parfaitement la suite logique de son univers musical. Rolly se confie. Met des mots sur les troubles de sa génération. Son premier album raconte les doutes et le regard sur le monde que peut avoir une femme de 20 ans à 25 ans. Pas de complaisance, Rolly se livre entière, comme sur ses réseaux sociaux. Revenons sur Thérapie, un morceau où l'artiste parle d'une vraie mise à nu. Je raconte qu'il a peut-être préféré une autre que moi à un certain moment. Que je me suis peut-être changée pour lui, lance la jeune femme. C'est aussi un moment de ma vie où je me suis dit, je n'ai pas besoin d'un homme pour être heureuse. Je n'ai pas besoin de me calquer sur quelqu'un, je me suffis à moi-même et c'est le plus important. Qu'elle travaille sur soi. Cette façon de voir son existence devrait être la première chose qu'on lit chaque matin sur son miroir. Rolly ne se terre pas comme d'autres artistes dans une bulle, elle consulte très souvent sa communauté pour leur parler de sujets qu'elle aimerait traiter en chanson. C'est une ouverture vers l'expression, la thérapie. Les gens qui me suivent proposent des thèmes qui vont de quelque chose de très simple à des choses plus dark. Déclare-t-elle. La violence conjugale me parle, par exemple, parce que ça a fait partie de mon histoire. Je n'ai jamais vraiment su en parler, ni à ma famille, ni à qui que ce soit. C'est donc grâce à eux que je me livre sur ce qui m'est arrivé. Rolly, via ses chansons encore ses chatbox, est un pont, d'une utilité majeure, entre des jeunes perdus ou cloisonnés dans les milieux difficiles et la guérison. Rolly nous raconte aussi son lien très fort avec Chris de la Star Academy, et les raisons qui l'ont poussé à l'inscrire à cette émission mythique. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de regarder sans plus attendre son interview ou vidéo ci-dessus. L'album, Demain sera meilleur, de Rolly est à écouter dès à présent.